moi, Selena, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ce petit vlog dans divers lieux de la France. Je suis partie avec le moyen de transport le plus commun qui soit, c'est-à-dire la voiture, bon, plus précisément le camion. Et ce jour-ci, je suis à Chambéry, pas très loin de là où j'habite, pour un rendez-vous médical, mais j'en ai profité pour aller faire un petit tour dans le centre-ville médiéval et puis regarder un petit peu l'état actuel du château, de ses rues, et aussi profiter d'une installation contemporaine qui était sur place ce jour-ci. Vous la voyez juste là. J'en avais entendu parler, c'était l'occasion de venir voir ça de plus près et bien sûr passer à la fontaine des 400 culs. Et ce ne sont pas 400 fessiers, mais 4 personnages d'éléphants sans les fessiers apparents. Puis une soirée restaurant à la suite d'une séance d'escalade et ce plat-ci était délicieux et j'ai fini bien entendu par du chocolat, sinon ça n'est pas un vrai repas. Et une nouvelle journée commence et avant de partir véritablement en vadrouille et de vous emmener dans ce vlog à travers la France, j'allais vous dire mais faut pas exagérer non plus puisque je vais aller au Puy-en-Velay, traverser un peu toute cette diagonale du vide pour ensuite atterrir à Marseille, mais vous verrez ça plus tard. Pour l'instant, je fais quelques essayages chez Misty Griff puisque je comptais y passer dans tous les cas. J'ai essayé ces petits hauts que je trouvais finalement un peu trop lâches à certains endroits, mais assez mignons. Il y avait aussi le haut blanc tout à l'heure qui était un haut Calvin Klein. Malheureusement, il était trop grand. Puis cette robe-ci, robe portefeuille, mais je trouvais qu'elle posait pas particulièrement bien et puis j'en ai déjà des robes comme celle-ci. Et enfin, cette robe-ci, qui avait des manches originales certes, mais qui semblait assez mal faite. Puis j'aimais pas particulièrement la matière, même si la coupe en elle-même est assez jolie et plutôt flatteuse. Et ça ressemble beaucoup à des choses que j'ai déjà, donc on verra, on fera autre chose. Ça y est, le périple commence, c'est le lendemain. Je suis partie et on s'est arrêté en chemin, voir des personnes que nous connaissions. Et il y avait plein de petites tortues qui étaient nées il y a peu dans le jardin, dont celle-ci qui était assez sociable et qui a passé un petit bout de temps au départ dans ma main, mais je voulais pas trop la stresser, donc je lui ai permis de retourner vivre sa vie tranquillement. Je l'ai déposée et elle a fini par sortir de l'espace restreint de la paume de ma main et s'est installée sur mes jambes pour aller grignoter tranquillement sa petite feuille. Je vous laisse donc en musique profiter de la mignonitude absolue de cette petite tortue qui pour autant n'était pas la plus petite, d'ailleurs il y en avait une encore plus petite, mais je l'avais déjà prise avec moi et je voulais pas l'embêter plus que ça uniquement pour la filmer, donc je me suis plutôt rabattue sur cette deuxième tortue un petit peu plus grosse qui en plus était assez amicale et qui voulait vraiment dévorer cette fleur. Je voyais qu'elle en avait très envie. Je suis bien arrivée à destination, ma tente est plantée et le lit est fait, prêt pour mon retour, pour que je puisse aller me coucher tranquillement. C'est l'avantage d'avoir la voiture, c'est qu'on peut aller avec les couettes et les coussins si on le souhaite en camping, et ça c'est du camping de luxe. Donc j'étais parée pour pouvoir bien dormir en rentrant, mais en rentrant de quoi, vous me direz? Eh bien je suis très contente car je me dirige lentement mais sûrement vers un concert de Chaka Ponk. C'est leur dernière tournée avant qu'ils n'arrêtent leur carrière, à moins que peut-être un jour ils se décident à reprendre, qui sait. Mais pour l'instant, il n'y aura plus de Chaka Ponk après cette tournée-ci. Et moi, eh bien, je vais rentrer par cette porte là-bas, ce grand portail plutôt, pour pouvoir aller assister au concert. Et j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Et l'espace du concert était très sympa. Je vais d'ailleurs vous laisser profiter des musiciens qui étaient présents ce jour-ci en première partie. Oh,
Bon, à nouveau un peu de calme avant la tempête. Ils sont en train d'installer l'espace scénographique pour le groupe qui vient juste après, c'est-à-dire Chaka Ponk. Tout le monde s'installe, il y a vraiment beaucoup de monde présent pour ce concert. Je trouve que l'installation est pour l'instant incroyable. Je suis très contente. J'aimerais bien pouvoir avoir un décor aussi sympa si un jour je performais sur scène. Bon, je ne suis pas une performeuse, mais voilà, je trouve ça génial. Et ça y est, ils arrivent. Allons-y, c'est parti. Voilà, ça y est, un retour au calme pour de bon. Le concert est fini, c'est le lendemain. J'ai vraiment énormément apprécié ce concert-ci. J'avais grand hâte de voir ce groupe, Chaka Ponk, groupe français de rock que j'ai écouté aussi pendant mon adolescence et que j'aime toujours autant. C'était plein d'énergie, le pogo s'est bien passé, même s'il y a quelques personnes qui ont certainement eu un peu peur. Mais c'était quand même un sacré show. Il y avait tout un groupe de gospel, des chœurs qui les accompagnaient avec des jeux de lumière super, la scéno, je l'ai déjà dit, une super scénographie. Enfin voilà, c'était au top. Et pour nous remettre de nos émotions, le lendemain, brunch devant cette place-ci, dans la jolie ville du Puy-en-Velay. Et on a mangé à Colefleury, que je vous ai montré à plusieurs reprises. C'était très bon, c'était joli, c'était agréable. Vraiment un bon lendemain de concert. Je suis bien sûr passée rapidement voir un peu ce qu'il y avait au marché avant de prendre la route pour Marseille. Et l'arrivée s'est faite sous le mauvais temps, mais le mauvais temps n'a vraiment pas duré puisque quelques heures plus tard, à peine, après mon café, eh bien, il faisait tout à fait beau, sans aucun nuage, joli ciel bleu et une belle journée qui s'annonçait. Donc, une fois le petit déjeuner préparé et prêt à être enfourné dans mon estomac, eh bien, je savais que la journée s'annonçait pleine de choses, d'énergie et de lecture au bord de la plage majoritairement. Donc là, je suis en train de lire le second tome de Blackwater, c'est La Digue. Et c'est une série que j'ai commencé à lire assez récemment. J'aime bien pour l'instant le style qui me fait légèrement penser à des écrits naturalistes à la Zola. Mais bon, on n'est pas non plus sur le même type de littérature. C'est-à-dire que on est quand même un peu plus sur quelque chose qui est de l'ordre de la science-fiction et du roman à l'américaine. Mais ça me plaît et c'est un jugement qui n'est pas un jugement de valeur, mais un jugement de genre qui est un genre assez différent. Enfin bon, je pourrais vous parler plus spécifiquement de littérature si un jour ça vous intéresse.
Mais pour l'instant, retournons à nos histoires de plage, de Marseille. D'ailleurs, on n'est plus à Marseille cette fois-ci, on est à Cassis. Et je suis bien contente de me sentir en vacances. Cassis, c'est vraiment un très joli lieu, mais c'est une ville qui sent l'argent à plein nez. C'est une ville d'une population plutôt vieillissante et plutôt fortunée, mais c'est un lieu agréable dans lequel se retrouver pour aller se baigner et avoir cette impression très persistante d'être véritablement en vacances, même si je préfère tout de même les lieux un peu plus reculés avec un peu moins de monde. Mais là, c'était l'occasion d'aller à la plage avec ma grand-mère qui habite dans le sud de la France et de lire un petit peu au bord de la plage en profitant du soleil, mais en se protégeant quand même la peau avec de la crème solaire et sans m'exposer trop longtemps non plus au soleil pour ma part, parce qu'au bout d'un moment, j'en ai marre, premièrement. Et puis, deuxièmement, j'ai pas envie d'avoir des problèmes de peau, donc je fais attention et je porte toujours mon chapeau pour me protéger aussi des insolations. Voilà, c'était la petite minute protection de ton capital solaire. Et puis aussi, attention, hydratez-vous bien. Certains pêcheurs étaient de retour et on est allé voir un petit peu ce qu'ils vendaient et puis surtout ce qu'ils avaient pêché. Et on est passé devant ce magasin qui vendait des noix de cajou caramélisées et puis une petite cigale pour bien se rappeler qu'on est bel et bien dans le sud. Et je vous laisse ici, mais il y a encore plein d'autres aventures à Marseille et dans les Calanques que je vous montrerai très bientôt. J'ai hâte. Je coupe ce vlog ici, mais mes aventures qui descendent de plus en plus dans le sud et non plus de la France, puisqu'ensuite j'irai en Espagne. Donc, mes aventures à Marseille et dans le sud de la France continuent très bientôt dans les vlogs à venir. Et j'ai aussi quelques petits hauls que je vous montrerai. Et j'ai hâte de vous emmener avec moi découvrir ces magnifiques lieux dans lesquels j'ai pu me rendre. Je suis très chanceuse et j'en suis contente. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes celles disponibles sur cette plateforme. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien!